Coliseum ainsi que Total War, que la Ligue Total War française. Et n'hésitez pas à vous abonner ou en tout cas à nous follow sur ici sur Twitch ainsi que sur YouTube. Donc voici, c'est parti. On va lancer la campagne avec Amenmes. Donc le voici Amenmes avec son magnifique casque avec les cornes. Donc Amenmes l'usurpateur. Amenmes plutôt que de se sentir honoré de sauter de vice-régent de Kush. Savoir que le Kush, le royaume de Kush est un royaume situé au sud de l'Égypte. Et rongé par l'amertume d'être perçu comme un exilé de la cour d'Égypte, son poste lui donne toutefois accès à l'or et aux ressources de la Nubie, ce qui lui assure un approvisionnement et régulière richesse grâce aux nombreuses mines de la région. Alors on commence dans le sud de l'Égypte, aux portes du Nil blanc et du Nil bleu. Et salut à toi, Alftigrou. Donc au niveau des unités autochtones, on a des recrues qui viennent de Nubie, donc des chasseurs, des unités à la harpe, excuse-moi, à l'arc à flèche, j'y arriverai. À la massue, nous avons aussi des unités à la lance et au bouclier. Voilà. Et on a des unités de faction, donc les unités couchettes. Alors au niveau des bâtiments, on a des écoles de représentants couchettes qui augmentent la croissance de la main-d'œuvre, la production, les relations diplomatiques, mais qui font perdre de l'influence. Nous avons également les salles cachées, donc qui augmentent la légitimité. Bon, ça, il faut beaucoup d'or pour l'entretenir, mais ça augmente les revenus du reste. Et nous avons les villages de travailleurs de mines d'or, évidemment. Dans le sud de l'Égypte, on a de l'or, donc autant en profiter. Alors, je pense que je vais un peu voir aujourd'hui avec vous la personnalisation de la campagne. En off, j'avais un peu regardé et c'est un vrai bac à sable. Alors, on sait changer le budget de départ. Et dites-moi si le son va correctement aussi. On sait augmenter la valeur du budget de départ, les valeurs du gisement des ressources. Donc, ça, on va pas y chipoter. Je pense que je vais plutôt jouer sur la récupération des armées, dégâts d'usure. Donc l'IA seront plus. On va augmenter l'usure un petit peu. Je ne sais pas, j'ai envie de tester. Bon, les rébellions, les rebelles. Ah, reconstitution des armées. On va augmenter aussi. On va réduire. J'ai envie de compliquer un peu la tâche aujourd'hui. Dans le bonheur. Et alors, au niveau de la bataille. Non, pas d'unité invincible. Munitions des unités par défaut, non, ça on change pas. Alors, l'IA, le budget, on le laisse pareil. Le comportement de l'IA, agressif, passif, on change. Alors, reconstitution des unités de l'IA, on va faire comme moi, faible, capacité de recrutement, faible, coût de. Ça on va laisser, le bonheur, on va laisser. Cycle normal, cycle rapide, cycle long, matin, non, ça on va laisser. Durée de la bataille, on va diminuer, on va mettre 20 minutes. Bien, alors. On va pouvoir lancer. Bon, je vais vous laisser la petite cinématique où on voit Meremta presque s'étrangler avec un pauvre petit raisin sous le regard de Seth. Et je vais en profiter pour aller me servir un verre d'eau. Donc je vous laisse avec Meremta, j'arrive dans quelques secondes. Je suis Meremta. Non, je suis le grand pharaon Meremta. Il y a 10 ans, j'ai hérité du trône dans l'ombre de mon père. Le taureau puissant, le protecteur de l'Égypte, l'élu de Ra, le bien-aimé d'Amon, l'illustre heureux. pharaon. Ramsès II. Oh.
Avec le scribe qui s'étonne, oh, il est en train de s'étouffer, que devons-nous faire? Ben aidez-le! Aidez-le, bon sang de bonsoir! Ah ben il est borgne aussi, hein. On a Medjay aussi. Et voilà, le regard de Sat qui ne trahit pas! Ah, cette partie-là, je trouve, de la cinématique d'intro, elle est extraordinaire. Qu'adviendra-t-il de mon royaume lorsque mon âme reposera aux terres éternelles? Ah, là est la... De là. Là est la question. En fait, ça s'annonce très mal parce que c'est quand même la fin du nouvel empire d'Égypte et ça est le début d'une nouvelle période trouble à cause de qui? Des peuples de la mer, bien entendu. Bien évidemment. Moindre fils serais-je, et ma mère, moindre épouse, et le sang nubien de son peuple, de mon peuple, sommes-nous moins égyptiens parce qu'il coule dans nos veines? Soit, eux et moi, nous entendons parfaitement d'un seul mot, l'or. Le sang peut trahir, le sang peut salir, alors que l'or reste l'or. C'est avec l'or, c'est avec de l'or, que je rebâtirai le monde à mon image. Ou à cet attend, de l'or ornera les visages de mes guerriers, les roues de mon char et la lame de ma hache. Tout le monde me verra arriver. Personne ne m'arrêtera. L'or. L'or de Nubie est à nous, bien évidemment. Car nous sommes le régent du royaume de Kush. Et on pense que Amenmes était l'un des fils, soit un fils de Ramsès II, soit un des fils de Merimta, mais voilà, un bâtard. Merimta qui est le successeur direct de Ramsès II, car Ramsès II a eu une cinquantaine d'enfants, si mes souvenirs sont bons, et il est l'un des rares à avoir survécu. Je pense qu'il est le 16e enfant. Donc voilà. Alors, j'adore le design, ce qu'il faut vraiment très égyptien derrière. On voit ici Amenmes, avec derrière, c'est quelle divinité derrière? Et bonjour à tous et bonjour à toutes, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vois que on est passé de 2 à 11. Bienvenue sur ce live sur Total War Pharaoh. Et on va pouvoir commencer. Le vice-régent de Kush gère les territoires de Nubie et de Kush. Il supervise les mines qui abreuvent l'Égypte de richesses et maintient les guerriers turbulents sous la coupe du pharaon. Il s'agit d'un titre distingué accordé aux hommes les plus méritants. Amenmes, mon fils. Je lui ai octroyé le contrôle de nos terres abondantes au sud afin qu'il les négocie et les conquiert à sa guise. Pourtant, je ne reçois de sa part que de l'amertume et du ressentiment. Plus sa richesse et son influence s'étendent, plus il devient dangereux. Amenmes exècre son frère Séti et la femme de ce dernier, Taouzert. S'il défie son frère, il pourrait revendiquer le trône et devenir prince d'Égypte. Je n'aurais peut-être pas dû l'envoyer si loin de ma coupe. Ou peut-être sa fortune est-elle un message du grand Amon. Amenra. Serait-il possible que ce fils de l'Égypte
soit destiné à troquer son titre de vice-régent contre celui du rôle divin de Pharaon? Alors, Amennès le Doré, évidemment, fils de Meremta, vice-régent de Kush. Donc nous sommes là des enfants de Meremta. Alors, bâtiment de faction, plus d'or provenant des mines, conversion d'or en légitimité, les bâtiments uniques réduisent l'influence. C'est en fait, c'est au troc l'or pour de l'influence. Donc on a divertissement des visiteurs étrangers. Salut à toi, Alfred, comment vas-tu? Et bienvenue. Alors on a des codes travailleurs de... En fait, oui, de l'or. De l'or, du marché, de l'or. Bon, ça coûtera. Ça coûtera, mais... Alors, on a des archers d'élite, évidemment, on a les archers qui viennent, les archers lots de Tasseti, qui nous viennent tout droit, à mon avis, de Kush, les archers Kush qui étaient évidemment reconnus, les lanciers nubiens, qui est intermédiaire, qui est capable de défendre une position, donc on a des archers, des lanciers, excusez-moi, et des archers. Au niveau des ordres, on a les masques d'or octroi de la légitimité, en fait, on peut transformer l'or en légitimité, ça on l'a compris. Donc c'est unique à notre faction. Et on a la cour. On a la cour dirigeante où elle est présidée par le monarque suprême, donc le pharaon, le grand roi d'Ati, évidemment. Alors on a quoi comme avant-poste? On a l'hôtel d'Amon. Amon qui est notre dieu tutélaire. Nous avons la vénération d'Amon. Comme je vais le dire, c'est notre dieu principal dans le panthéon égyptien. Les unités autochtones, on l'a fait. Évidemment, on a la météo qui peut changer dans ce nouvel opus. Ça, c'est un gros ajout, je trouve. Un très bon ajout. Les titres. Mais ça, on verra ça quand on commencera. L'héritage antique. Mais ça viendra après. L'équipement. Alors, au niveau de son équipement, on va aller voir. Take what is owed to me, by any means. Armure légère ordinaire. Donc, moins de fatigue. On a un bouclier moyen. Et lui, il se bat avec une hache couchite en bronze. Bien, bien, bien. Alors, au niveau des ressources, on a du bois, on a de l'or, on a du bronze, mais nous n'avons pas de pierre. Et on sait très bien que la pierre, c'est une denrée rare pour construire des bâtiments. Donc je vais aller dans le menu diplomatie. Alors, avec qui sommes-nous? Alors, avec qui pourrions-nous? Alors... On est amical avec lui, mais ça se détériore. Tao, certes, ouais. Ah, on a les miams. Alors, on va essayer avec lui. Donc, négocier. Je me demande s'il y aura une version française pour ceci. Alors, accord d'échange. Alors, on a... Allez, on va dire qu'on a 89 d'or. Je te propose, 5 d'or. Contre... Ça vaut quoi? Non, pas trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'il fait? 50? Ah, presque. On va augmenter. Alors. Alors, 6 d'or pour 50 de pierre. On va dire pendant... Allez, on va dire 7. Alors, on va dire 55. Allez. Et tout le temps. Voilà, il est content. Donc on échange de la pierre contre de l'or. On peut faire ça avec qui d'autre? For Pharaoh's glory. Alors, inamical. In the name of duty. Oh, peut-être qu'avec les couchettes, on peut faire ça aussi. Hein. Alors, neutre, exhaustive. Ou alors, on ira peut-être conquérir le sud et de l'Égypte, à savoir... Le royaume de Kush. Amical. Alors, toi, t'as de l'or. T'as de la... Ah. Alors, t'as de l'or, toi. Welcome, friend. Ça veut dire, t'as de... This should be interesting. Je veux de la roche. Donne-moi de la pierre. Parce que, pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Je suis malhonnête. Ah, elle est pas mal, hein, c'est la ref. Hein. Non. Oui, on va quitter les négociations avec toi. Alors.
Alors, on a quoi comme. Alors, si on remonte, qu'on va au niveau de la map et on va afficher la mini-map et l'agrandir. Ah, mais non, c'est sur la. En bataille, qu'on sait agrandir la mini-map. Alors, nous, on est à Kawa. Oh, je me ferais bien un petit Kawa. Non, je ne bois pas de café au soir, sinon je ne dors pas. Ah non, on est là, à Menmez. On est là. Kawa, il est un peu plus au. Je crois qu'on est en guerre avec eux. Est-ce qu'on est en guerre avec Kawa? Non, j'ai. Ah, mon impression pour le moment. Ne plus qui peut devenir grandiose s'il est accueilli comme il se faut par la communauté et surtout s'il est bien géré par l'équipe. Je pense qu'en tout cas que l'équipe de Creative Assembly Sophia s'est fait plaisir en faisant le jeu, ça se ressent. On sent bien qu'ils ont fait un énorme travail parce que je trouve que le gameplay est quand même très très poussé. C'est pas 3. Au départ, je disais, ouais, ça ressemble quand même fort à 3. Non, non, c'est pas Troy. Hein, c'est le Troy version au-dessus. Ils ont repris des mécaniques d'anciens Total War. Il y a du Rome 2, il y a de l'Empire, évidemment, il y a du Split Kingdom et du Troy. Et je trouve qu'ils ont poussé le concept encore plus. Et je pense que ça va être le premier jeu de la nouvelle génération de chez Creative Assembly. Et voilà, je ne leur souhaite que de la réussite en tout cas. Ah ouais, attendez, c'est contre qui que je suis en guerre, moi? In the name of duty. Et des derniers ma beauté. Non mais. For Pharaoh's glory. Prouds, all will remember me, warrior of Egypt. Allez, v'là les Kawa. The fire of Nubia. On est en guerre contre eux. Ouais, on n'a pas trop le droit, voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire comme ça, mais. Mais voilà, moi je pense ici que. Il y a un énorme potentiel. Je suis malhonnête. Donc les gens, ils vont. Alors, on a quoi comme ville, nous? On a Kerma. On a Ouapekou. Et c'est tout. Alors, on a quoi comme avant-poste? Ouais, il faudra créer des avant. Alors, on a ici quoi? Divertissement des visiteurs étrangers. Donc, oh, on a beaucoup d'influence et beaucoup de bonheur et de la main-d'œuvre. Donc, ça va. On a port de pêche, évidemment, on est au bord du Nil. On a aire d'entraînement, c'est pour les archers. Qu'est-ce qu'on peut construire dans notre ville principale? Administration, ben ça on l'a déjà. Gestion, atelier d'artisans, terrain de fête, festival. Maison de sage-femme, c'est pour la. Comment? Oui, la croissance et la reconstitution. Ouais. On va peut-être faire un petit temple. Ouais, on va faire. On fait un petit. Le temple, je le fais ici ou je le fais dans ma petite. Alors là. Ah. I just need to line the right pockets. Mais on va. Le bonheur va diminuer, donc mieux vaut avoir un peu plus de bonheur. Donc voilà, bon, ça nous a coûté un main-d'œuvre, évidemment. Alors, il est où mon. Ah non, on a une deuxième ville. On a Pi Ramsès, Meriamun. Salut Gotti! Comment. Ouais, voilà, on peut pas trop dire ce qu'on veut. Mais salut Gotti, ça va? Alors, on est où? À Meknès, où es-tu? Hé, Philippe! Est-ce que tu te caches? Par ici que je te bute! Ah, voilà, on est là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre armée? On a. Ouais, évidemment, le roi qui se bat avec une hache. On a trois lanciers, trois I won't sprinteurs. be lulled into complacency. Bon, on va faire la première bataille contre lui. Death awaits you. Bon, t'es parti pour la guerre. Ouais, ce qu'on dit, c'est encore, on va dire, une grosse semaine. Ah, la Nubie est pleine d'or, mon ami. Elle est où, là? On se bat en plein désert. Il n'y a rien. On va se battre dans le sable. Il n'y a rien du tout. J'espère que vous m'entendez correctement parce que j'ai pu régler le son. Et n'hésitez pas évidemment à commenter ce live. Hier, t'as joué avec le roi des Hittites, si je dis pas de bêtises.
Ah ouais, Empire. Maintenant, le problème d'Empire, c'est que. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est des drôles de noms. Hein. Empire était bon, mais je lui préfère quand même Napoléon au niveau du gameplay des batailles. Mais j'aimais bien la campagne d'Empire, même si il y a quand même énormément de choses à améliorer. Alors, météo temps sec. Parfait. On se bat. Par contre, Gauthier, tu sais quel touche je dois utiliser? Pour I can feel it comme in the air tonight, comme dirait Phil Collins. Tu sais comment quelle touche je dois utiliser pour faire avancer mes unités pour qu'elles restent comme je les ai mis? J'adore les voix des soldats qui font halt! Aha. On va essayer. Merci. Bien vu, mon ami. Merci. On va pas trop courir parce que j'ai pas envie d'épuiser mes soldats. C'était pas Marsupipiliuma. Ouais, oula. En tout cas, c'est avec son règne que c'est terminé son empire. Donc bon. Oh. Il y a une belle collée, une belle dune ici. On va se placer au-dessus. Obscurcissez le ciel. Ça augmente la vitesse de rechargement. Oula, attendez, petit retour Windows. Ah voilà. Désolé pour ce petit retour Windows. Into position. Onwards. Archers fire. The might of Nubia. The might of the Nubia. The might of Nubia. Ashu. Fear us. Never falter. Fighters of Nubia. Le retour Windows de la malédiction des pharaons, peut-être, les cris. Oh, ouais, mais ça, le travail qu'ils ont fait sur les armées, le bruit de la marche, le bruit des soldats qu'il faut. Ah, ouh! Spartiate, quel est votre métier? Ah, ouh! Ah, ouh! Salut à toi, la caca! Bonjour, la caca! Ça se présente bien. Ah, c'est bien fait ça, la caméra coupe un peu. Et ça va être une victoire. Ah, ça. Die, die. Et bienvenue à toi, la caca. Total War Coliseum TV.
Oh bah, ça va être fini, hein. Une victoire de justesse. Pardon. J'ai perdu 94 soldats, j'en ai tué 428 quasi. Et tu me dis que c'est une victoire de justesse. Et on va se calmer ici, hein. Ouais, hein. Ça me donne envie de prendre mon képèche et d'attaquer. Pour la Nubie et pour le royaume de Kush. Et bien badass, hein, Amen Mess, j'adore son design. Ouais, je zoomerai là-dessus à la prochaine bataille. Sur les troupes, les bannières. Non, non, il sort pas encore. Dans une semaine. Je m'abonne. Ah, c'est un élève à moi, à mon avis. C'est un élève à moi. Whatever it takes. Whatever it takes. Merci pour... Put them in chains. I will take what. Alors, c'est quoi ça? C'est Hôtel Damon, ça augmente l'XP partout. Bah, on va se mettre là en attendant. Qui est Amon, donc attaque en bélier augmentée, l'XP augmenté. Allez. Me in my vengeance. Alors, qu'est-ce qu'on peut augmenter? On a la présence. Si on augmente la présence, ça nous, on aura quoi comme titre? La morsure de Hajet, donc tir en mouvement. C'est pourquoi ça? Les tirs en mouvement, c'est pour l'infanterie lance projectile. Curieux de voir ça. Attends, j'ai fait... Ah oui, voilà, j'ai pire Ramsès aussi. Alors ici, on a des mines d'or, on a une caserne, comment... Ouais, on a divertissement de visiteurs étrangers. Ça y est, il y a mes élèves qui ont réussi à trouver la chaîne, les gars. Bonjour à toi, Kwakubé. Et bienvenue sur la chaîne. On a le bureau du nomarque. On a ben, dépôt de bois. Ah, on a du bois, c'est bien ça. Donc on a de la nourriture, du bois et de l'or dans cette... Ah, ça c'est parfait ça. En fait, c'est du bronze qui va nous manquer et de la pierre. Alors, ça augmente. Ah, ben. J'ai dit que c'était du bronze. Hein, attends, est-ce qu'on a du bronze? Non, on n'a pas de bronze, on n'a pas de pierre. Mais on a. Ah, ben, je vais faire un marché de l'or. On aura un peu de pierre comme ça. Alors, un peu de. Ah oui, je vais... Les décrets royaux. Alors, le bonheur... Les... Alors, on va augmenter l'influence pour commencer, parce que... Avec... je suis prof d'histoire, moi, donc du coup, voilà. Et on va voir l'Égypte, justement, cette année, mais... oh, merci à toi de ton follow, la caca. Et alors, demain, quand je vais arriver à l'école, ça va faire... Hey, monsieur, il stream. Ben oui, monsieur, il stream, je l'ai dit que je stream. Et je remercie totalement Colisum TV de m'accepter parmi leur équipe de streaming. Alors, je sais faire quoi comme action? On s'est amélioré... Ah oui, ici je peux améliorer... Les bâtiments, mais... Ouais, marché de l'or, j'en ai fait dans le bâtiment, dans la capitale, on va dire. La mine d'or, je l'ai déjà. Alors, au niveau des avant-postes... Ouh, il n'y a pas d'avant-poste. Étant donné que c'est une colonie agricole... Production de toutes les ressources. Ah, c'est augmenter la légitimité. On va créer un comptoir commercial. Et à Kepta, c'est une ville d'or. Là, je vais faire pareil. On va améliorer l'or. M'appartient pas à ça. Non, 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 c'est bien. Donc notre roi, notre souverain. Ah oui, nous avons la rive gauche et la rive droite de l'Égypte.
Alors, qu'est-ce qu'on peut. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on peut construire? La légitimité. Ouais, preuve de la vie, c'est vraiment ça. On va pas trop construire non plus parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Donc on a toutes nos ressources qui vont augmenter au prochain tour. C'est magnifique, c'est merveilleux. On a nos... Alors, qu'est-ce qu'on peut recruter? C'est quoi ça? Ah, des fraudeurs, ouais. Des fraudeurs, évidemment, des archers et des milices archers. Et là, c'est quoi? Des milices archers couchites. Des recrues nubiennes. Des archers nubiens et des chasseurs nubiens. On va laisser ça comme ça, parce qu'on a. Ouais, là. Alors, je vais retourner dans la diplomatie, voir s'il n'y a pas moyen de. I fight for my brothers. I will unite. I will unite my people. Qu'est-ce que tu peux m'offrir, toi? De la pierre, on en a, ben du bronze peut-être, hein? Du bronze contre un peu d'or? Un peu de bof? Hein? Il y a de l'or? Attends, c'est pas fini. Ah. Bien, j'augmente toutes mes ressources. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous... Ah oui, c'est vrai que au niveau d'un résumé de faction, ça on l'a vu. On est à Mun, on n'a qu'une divinité pour le moment. Bon bah c'est. Alors, on a. Ah, on a des. Construction du temple d'Amon a été terminée. Parfait. Il est où le temple d'Amon? Il est là. Ouais. Là, ça va s'ouvrir après, en fait, ça. Faut attendre quelques tours. Alors, qu'est-ce qu'on va augmenter? Si j'augmente ici, au niveau 2, on a quoi? Hall de mobilisation, plus de main-d'œuvre, plus de main-d'œuvre, plus de production. Ça va nous coûter 100. Ouais, mais on va dire. Là, on sait rien faire. Alors, est-ce qu'on peut recruter des Viceroy of unités? Court, Oui. awaiting the soldiers of fortune. Les fraudeurs, ils ont combien de portée? 220. Et mes archers ont 230, ceux-ci. Attends, les archers du Nubien, ils sont. Et je vous désarme. You'll be agents of my retribution. Bon, on va faire un peu plus d'archers. Ça s'appelle Total War Pharaoh. C'est un jeu de stratégie en temps réel développé par Creative Assembly Sofia. Où ici, c'est un jeu qui est en pré-accès, donc je peux pas trop dire mon ressenti parce qu'on est sous embargo, mais c'est un jeu de stratégie où on doit gérer son royaume avec ses ressources et où on peut prendre aussi part à des batailles en direct. Voilà. Ah oui, c'est vrai que si vous voulez qu'on renomme les villes, on peut renommer les villes, hein. Alors, avant-poste, construction, ben on va attendre que les ressources rentrent. Oui, mais God of War Ragnarok, de 1, je ne l'ai pas encore testé. De 2, la chaîne est vraiment. C'est une chaîne où on ne fait que du contenu sur les Total War. Fertilité accouche, nous sommes bénis, nos terres et notre peuple prospère. Et bonjour à toi et merci pour ton follow, la frite. La croissance augmente. Parfait.
Ah bah on va pouvoir atta- Ah, une ville qui produit de la pierre. Worldly warrior. Time to strike. Ouais. I won't hold back. I won't hold back. Ah, par contre, on perd un peu de... Ouh, on perd de l'or. De l'or, vite, de l'or, de l'or. Non. Il me faut quoi? Qui c'est quoi? Il faut de la pierre. La main d'œuvre et du bois. Comment ça... Ah, d'accord. Quand il sera au niveau... Ça va, ça va. Non! Ah, j'étais trop vite. C'est pas grave. Alors, on a combien de soldats? Ouais, on a une garnison et une armée. Ils ont quoi, eux? Des recrues lancées couchettes. Peut-être que mes sprinteurs sont plus forts qu'eux. On a des, nos arrêts, ils ont des arrêts. Je pense que si je bats la première armée... Ouais, allez, on va essayer de la gagner. On va tenter, on va essayer de gagner. Même si on est en infériorité numérique, je pense que le mieux à faire, c'est de battre la première armée ou de battre les renforts. Ça dépend d'où veut venir les renforts. Et monsieur, il n'y a pas de gens de la classe sur le live. Ah bon? Vous êtes passé le mot? Bon, bah bienvenue à vous, hein. On va dire, c'est pas interdit de venir, hein. Tu vois, Gotti, toi, tu ramènes les Espagnols et moi, je ramène des élèves. Et ensemble, nous pourrons dominer le monde de Twitch. Alors eux ça fait mur de lance, ouais. Donc du coup ils prendront la charge. Nous allons nous battre encore en plein désert. Ah les renforts, ah flûte. Bon ben, on va se mettre en hauteur et on va se laisser attaquer et on va défendre. Ça va être une bataille plutôt défensive. To battle. Be ready, brother. Victory will be ours. Oui, t'en fais pas, on va essayer de gagner, mon ami. Mais les archers vont être hyper importants ici. Je vais les mettre en arrière, protégés par le général. On va mettre les Nubiens qui ont beaucoup plus de portée et qui savent faire des tirs enflammés. Et nous contrôler les gars, là c'est ma vie privée. Hein. Fighters of Nubia. Mais, ah flûte, ah oui en fait c'est parce que j'appuie sur ça. It will be done. Pas ça. They cannot hope to à mon avis, ils sont là. C'est pas grave, ils vont devoir. Je vais me faire. Je vais charger. Comment les faire charger dans la pente, on aura le bonus de charge assez. Ouais! Ne dis pas trop de choses, hein. J'aime déjà ça. The might of Nubia. On the move. Je vous laisse, je ne sais pas quand dans l'horaire. Je n'ai pas mon horaire en tête. Trop intelligent pour ça. Ah. Loose arrows. Aim and release. Spear brace. Power and pride. Cut through them. Fighters of Nubia. Never falter. Marching. We will triumph. To battle!
protectors of Nubia. Loose arrows. Fight hard. Non, pas là, là. Marching. Never falter. How can I fight with this? On va profiter pour charger maintenant. Fighters of Nubia. Elle attaque. We will triumph. Fighters of Nubia. Into position. Fight with honor. Together, brothers. Send them out. Armored mass. Pushing on. Never falter. Vengeance and victory. Fighters of Nubia. Fear us. Loose arrows. Into position. Get moving. Fighters won. Va être compliqué à celle-ci. Ça va être compliqué. Et bonjour à tous et bienvenue sur le live. Hein. Victory is not in doubt. To victory, archers fire. For glory, Viceroy of Kush. Fighters of Nubia. Arrows ready. With ease. Ah, il y a des unités que nous. Ah oui, ils avancent en tirant. Fool, you're already dead. Comme ils doivent vous archer. An embarrassing display. For glory, send a barrage. We will triumph. Show no mercy. To battle, die. Fear us. It is decided. Tear them apart. Archers, shoot. Onwards! Aim and release! Armored mass! Power and pride! Get out of there! The might of Nubia! The might of Nubia! Run, brothers, run! Bah, j'adore les voix! C'est extraordinaire! Le travail là-dessus. Does not oh, par contre, ils ont des archers aussi et leurs archers font très mal. The true air. Je pouvais tuer au moins l'un des deux généraux. We will triumph. Pull out. Aim for the hearts. Immediately. Ah, ça sent quand même mauvais cette partie. Un peu trop gourmand. Ouh là là, je me prends à revers. On va reformer la ligne. For glory. Send a barrage. Okay. The might of Nubia. Get out of there. What? Cette partie ici. Together, brothers. Armored mass. Merci la caca. Kushites never miss. Vous avez retenu la formation que je vous ai donnée. We have no chance. Moi, vous retenez quelque chose de ce que je vous dis. Break their necks. Ah. Les unités ici qui reviennent, on aura besoin.
Slay them! There is no hope! Fight aïe, 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 c'est compliqué! Don't save us. Les archers me font trop mal! Ah ouais, ouais! To victory! No quarter! The might of Nubia! Fighters of Nubia! Pushing on! Never falter! Aim and release! Retreat! Ah, c'est les archers qui me font mal. Ah, les archers sont vraiment... Oh là 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 là! Fighters of Nubia! Admet la défaite, nous on gagne de voir le. Oh, je n'admettrai jamais la défaite. Je ne m'avouerai pas vaincu. Non, parce que si j'arrive à choper ces archers au corps à corps, il est fini. Destroy them. Release. You will stop at nothing. Send a barrage. Aim for their hearts. Loose arrows. Release. Oh, elle n'est pas finie, elle n'est pas finie. Je ne m'avouerai pas vaincu si facilement. Archers, shoot. Ah d'accord, lol MDM, c'est parce que t'as oublié L. Pas de soucis. Triumph is a short. Bonjour à toi, Roxor Pony. Ah, ça va? Ça va mon ami? Ouais, elle est tendue cette bataille, si j'y étais un peu trop gourmand. J'ai pas trop d'archers en face. Et pourtant j'en avais, mais je me rends compte que les archers nubiens et les archers couchés sont très efficaces. Et je vais recruter des archers. Et c'est pas grave, je recrute une armée et... Mais le pire c'est que mes unités encore à corps le battent en fait. C'est une drôle de partie. Power and pride. Archers shoot. No. J'ai pas perdu, mais ça va être une victoire à la KMD, ils disent. On the move. Pull out. The might of Nubia. Have a mess. Autant avoir la mobilité pour les contrer plus que de tenter de s'y repasser sur les archers. Ouais, mais le problème c'est que mes unités sont tellement légères que... Les unités sont... que j'ai pas d'armure. Ah, chou. Moving on. Marching. Si, il y a dans le jeu, à part des... Il n'y a pas de cavalerie. Il n'y a que des chars. Je n'en ai pas encore. Moi, je regarde si j'en suis pas. To victory. Ouais. Il va falloir que j'accélère. Alors, que... Never falter. Ah, j'ai... Bon, bah, j'ai plus de munitions, hein. Je pense que... Non, je ne la gagne. Non, il vient de se reformer, je ne la gagnerai pas. Une défaite honorable, je ne la gagnerai pas. Donc je préfère partir. Alors, on en a... Il en a perdu... Ouais, en fait, c'est une égalité, hein. Il en a perdu le même nombre que moi. Voilà. Sauf que j'en avais moins que lui. Et c'était pas grave, je reviendrai plus fort. Ouf. Ah,
Alors là, bah oui, évidemment, si j'en déploie moins que lui, que j'en prends autant. Ouais. Où es-tu? Oh non! Non! Non, Zinedine! Pas comme ça, pas ce soir, pas après tout ce que tu as fait! Je sais pas me replier plus! Non, Zinedine! Non! La bataille de Nuhamu! Là par contre ça va encore, ouais bah oui hein. Oula, ça va être la même genre de bataille hein. Mais je vais faire comme t'as dit, je vais jouer sur la mobilité, je vais essayer de, je vais l'attaquer, je vais lui sauter à la gorge. Ouais, par contre, elle a fondu comme neige au soleil hein. Kushites never miss. Amon guides me. Fighters of Nubia, group up. Ouais, je vais attaquer tout de suite. Pushing on. Ouais, il faut que j'attaque là. Faut que je lui saute à la gorge. Faut que je fasse comme sur Napoléon en tournoi. Non, faut pas lui laisser le temps de réfléchir, bon c'est une dia mais. I'll see to it. Bring them down! Fighters of Nubia! Break their necks! Break their necks! Fight with honor! Into position! Meet your end! On va essayer! Waouh, ça commence déjà à tirer! I always feel at home in the dunes. Et j'ai le bonus de charge. Oui, 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 oui. Never falter. Fight hard. We will triumph. Firstborn son. Salut Elliot. Votre chaîne. Me vous voir moi. Into position. Et bonjour, à dire rebonjour à toi. Break that. Face me, coward. To victory. Archers, shoot. Send a barrage. Release! Tear him apart! Oh, grand monarque! Je suis, oui, je joue un personnage qui est. Régent! Allez, on va dire vice-roi! Cut through them! Ah, j'ai une chance! Allez, allez! Retribution! To victory! On the move! To battle! Loose arrows! Et bienvenue à vous tous! Fighters of Nubia. Oh, elles sont... Celle-ci se passe mieux, j'ai bien fait de t'écouter. J'ai... Heureusement que je t'ai comme... comme aide de camp, on va dire. Never falter. Fighters of Nubia. Aim and fire. Together, brothers. The true air to battle. En fait j'aurais dû faire ça dès le départ, j'aurais dû lui sauter à la gorge. Ouais, tout à fait. Marching. Nubian marksmen. On the move. Marching. Pushing on. Cut through them. Je vais tous les envoyer chez Anubis. Fighters of Nubia, aim for their hearts, for glory, bring them down, fight with honor, power and pride, arrows ready, aim and release. C'est gagné celle-ci. Shoot. Yes.
Je réclame vengeance. Je les ai envoyés chez Anubis. Tu triches, je l'ai vu. Non, les dieux sont avec moi aujourd'hui. Ah ouais, ah oui, là c'est sûr et certain qu'il l'a massacré. Il lui a fait tiens, meurs, meurs, meurs. Et remeurs. My influence grows. I will take what is owed to me by any means. That awaits you. Rightful heir of Egypt. You have my loyalty. J'espère bien que j'ai ta loyauté. Ah, de l'or. Il me faut de l'or. Alors, ça va faire. Ouais, ça va coûter en main deux, mais ça va. Viceroy of Kush. Alors, qu'est-ce qu'on va finir avec le bois? La vie d'un soldat ou... Allez, du bonheur. Il nous faut du bonheur. Firstborn son. De portée, 150, 200... Ouais, 230. Mais il coûte combien en nourriture? Ouais. Il coûte un peu plus cher en bronze et en nourriture, mais... Your reward will be great. On va miser sur la vitesse. Si la violence ne résout pas ton problème, c'est que tu ne frappes pas assez fort. Tout à fait. Là, je vais retourner. Je vais le massacrer. Alors, ici, on peut faire quoi? C'est quoi ça? Divertissement des... Ouais, ça augmente des ressources. Ça va coûter combien? De la pierre, de la main d'œuvre, mais ouais, mais on va perdre une influence. Notre influence, elle est. Ouais, non, j'ai pas envie de perdre l'influence maintenant. Alors, ouais, du bois en plus, on a combien? Non, on a assez de bois. Le bonheur. On va augmenter le bonheur. Donc, on va prier Amon. Et ici, je vais... Ah oui, non, je ne serai pas. Ah, on a gagné encore une pointe de compétence. Royal Prince. Donc, le point de compétence, on va le mettre où? Non, déplacement. Oh, alors, reconstitution, vu qu'on a perdu assez bien de soldats. Alors, la diplomatie, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Évidemment, vu que notre armée a été salement amochée, on a perdu en puissance, mais on va la refaire, notre armée, c'est pas ça le problème. Qu'est-ce que je peux faire? Qui puis-je? Ah, qui est content? Nebu, on a déjà un accord. Alors, il va de l'or. Allez, tu me donnes de l'or? Mais non, on va avoir de l'or bientôt. De la roche, au moins de la pierre. T'offre du bois. We will achieve. Yeah. Voilà, comme ça on a de la roche. On a, ouais, parfait. Amon Mas. Bien. Bonne soirée à toi, Alfred, et merci à toi d'être venu. Lui, il est... Oula. Oui, le général, là. Ouf. J'ai plus d'attaque à mêlée, plus d'XP. Mais j'ai pas... Ouais, j'ai quand même pas beaucoup de soldats pour lui sauter à la gorge, mais... Ouais. On va laisser... Allez, on va sauvegarder. Je profite du fait que je puisse vous parler, je suis absent toute la semaine pour y déposer vos frères à l'accueil de la dernière élève, s'il vous plaît, ma soeur va les récupérer. Oui, ça va, mais oui.
Allez, on va la faire. Et merci à toi d'être venu, en tout cas, Damien. Alors, c'est parti. Avec deux neurones, mais pourquoi pas? Ouh, on est en pleine tempête de sable. Ça c'est bon ajout, je trouve, du jeu. Là, on a perte de visibilité et de vitesse de charge, évidemment. Fight with honor. Fighters of Nubia. Never falter. 240 soldats. Merci de ton follow, Elliot. Oh là là, on va se battre. Hein. Ah! It will be done. The doors clamor. It will be done. Oh, regardez comme il s'avance. On est si... Ah, les animations. Regardez cette animation. Avec où on s'avance dans le sable et qu'on a du mal, ça c'est. Pff. Never falter. To battle, brave men for glory, fighters of Nubia. Retribution. The might of Nubia. Oui, on peut faire cramer la végétation, faire cramer tous les bâtiments. Et ils ont bien changé cela aussi. Aim for their hearts. Pour celle-ci, elle va... Mais je crois qu'il y a que une seule petite île qui de graisse dans le jeu. Et Chypre évidemment. Pour celle-ci, elle s'annonce. J'aurais peut-être dû peut-être essayer le repli. Peut-être que je vais recharger la partie pour faire un repli. Non, je pense pas que ce soit Rhodes. Moi j'espère, en tout cas, c'est mon point de vue, qu'ils sortiront un jour un DLC ouvrant la Mésopotamie. Et alors là, je serai le plus heureux au monde. Et qui modélise un peu Babylone, etc. On va perdre. Oui. Ben voilà, je peux pas donner mon avis. Nous en parlerons en privé. Je peux pas donner mon avis maintenant. On a l'embargo. Mais je comprends ton point de vue. Surtout qu'à ce moment-là, c'est. Ce sera les Assyriens et les Néo-Babyloniens. Fall back for now. Ah ouais. Regardez, j'ai quasi tout testé, tout le monde en fait. Ouais, salut Vivi, salut Virio, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Oui, je vous en fais pas, je fais juste relancer pour faire un repli. Et bienvenue sur le live Virio, comme ça tu verras un petit peu le jeu. Vous êtes beaucoup aujourd'hui, vous êtes 18 et c'est merveilleux. On vous remercie évidemment de nous suivre aujourd'hui dans ce live. Fall back for now. Est-ce qu'il va me suivre? Non, il va pas me suivre. Hein. Ah,
Choisir une ambition. Une ambition accomplissée pour bénéficier de récompenses. Piller une région. Remporter une bataille. C'est quoi ça, les pirates du désert? Revenus sur les raids ou de la nourriture. Je crois que... Allez, une bataille. I will take what is owed to me by any means. On my terms. Bon, on va devoir reculer un peu plus. Viceroy of Kush. Ah, c'est bien ça. Bon. On va recruter des troupes, hein, pas le choix. Hein. Bon, je veux des archers. I spend my gold wisely. Ouais. I'll pay any price for victory. Vous allez faire quoi dans les actions? Ah, c'est construire. De la... du bois? Produire plus de bois pour échanger du bois? Ça va coûter en pierre. Non, je vais attendre d'avoir un peu plus de... Ah! Fais quoi si je te fais allez, ça je veux bien. Non, pas maintenant. Ah, on a un avant-poste endommagé. Alors, on va le reconstruire. Voilà, bon, ça va nous coûter de la pierre, mais c'est pas grave. Les cartes des unités sont très inspirées de Romneux. On sent aussi la continuité des graphismes et une évolution plus cartoon, mais qui s'adapte bien à la région. Oui, maintenant, on s'est changé dans les paramètres. Tu sais mettre les vignettes d'unités comme j'ai mis en 2D, ou alors tu sais les avoir en 3D. Je trouve que ça dégage un petit truc en 2D. Et alors, au niveau de la map, si vous voulez voir un peu la map, c'est une map qui est très verticale. Donc, on commence à la fin du royaume d'Égypte et au début de la Nubie du Kush. Le nouveau moteur, il est quelque part. Et alors, on remonte tout le Nil, donc bas, haute et basse Égypte, avec le delta du Nil. Vous avez ici la région du Proche-Orient avec évidemment les Cananéens. On a Chypre et là on a évidemment l'Anatolie. Voilà, avec le royaume des rois, comment, l'Empire Hittite. Alors, diplomatie. Warrior of Egypt, I will carve out a legacy. Alors, no. For Pharaoh's glory. I have no doubt we will reach an agreement. An agreement. Bon, j'ai assez de ressources. Qu'est-ce que je peux faire? Moteur graphique, on ne sait pas où il est. Ruler of Kush. Pas de nouvelles armes. Ah, armure légère, ordinaire ou l'armure composite. Plus de dégâts. Ouais, on va prendre ça. On a une nouvelle armure. Pas mal. Ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup, c'est le fait qu'on puisse customiser ses unités pour changer justement les unités qui accompagnent, je veux dire, le héros, même si c'est pas tout à fait, c'est pas un héros, c'est pas le même système que dans Troy. Bon, ben, on va finir le tour, hein. Ah, ben, alors, ils veulent quoi, eux? Ils me proposent de la bouffe, beaucoup de bouffe, contre du bois et... Ah mais de la bouffe j'en ai déjà. Ça m'intéresse pas, t'as pas autre chose que de la nourriture? Ah, de l'or, donne-moi de l'or. Bon, je vais dormir. Allez au dodo, Annick. Oui, merci. Bonne nuit à toi aussi, hein. Au dodo, Annick. Comique à mes élèves quand même. A plus dans le bus.
Oh, ça m'intéresse pas. Tout ça pour ça. Vive les suivants d'Horus. Le cycle se répète sur sa terre et la cour royale se réunit une fois de plus sous le regard des dieux. Durant ces suivants d'Horus, vous obtenez les piliers de la civilisation, les divinités locales. Ah oui, c'est maintenant on va débloquer le reste. Alors ici, vous avez les piliers de civilisation, donc avec des prospérités crises. Donc là, on est en... Voilà, disons que ça va, ça prospère, mais pas non plus au top du top, mais ça prospère. Driven by injustice. Ah, le bonheur, il diminue ici, hein. Qu'est-ce qui pourrait augmenter le bonheur? Le puits, non. La maison de Senat. Ah, merci à toi, la frite de tes... abonné, merci beaucoup. T'as fait quoi le Hall des Champions? Ah ça, c'est une garnison. C'est vrai que on a peut-être pas assez de soldats. T'as frite. Évidemment, la frite belge. Hein. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du jeu, évidemment, pour l'instant. De donner votre avis. Quartier résident. Ouais, non, mais. Ouais. Oh, on a beaucoup d'influence ici, dis donc. Croissance de la main-d'œuvre. Plus 6, production de toutes les. Allez. Là. Parfait. Amonmes. Golden Horn. Ah! C'est quoi? Des lanciers couchés, des archers couchés. Maintenant on a les recrutements spéciaux, le recrutement local. Ah, on n'a plus de lanciers. Les sprinteurs couchés, je veux dire, je dis des lanciers, mais c'est des lanciers. Non, je ne l'ai pas encore. Je compte l'acheter, mais pas tout de suite. J'attends les nouvelles mises à jour. Ah, la cour. Ah, nous sommes vice-régents. Donc, on va pouvoir. Alors, ça, c'est un nouveau système où on sait faire des complots. Et bien, c'est des pharaons, le vizir, etc. Alors, nous, on est vice-régents. Donc, évidemment, ben, on est axé sur l'or. On pourrait se retirer du poste, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, on a. C'est qui lui? On a Setnak. On a Chédit. On a Rakotis, Wasset et ben, évidemment Meremta. Alors, vous voyez, toi, alors, on s'est comploté donc. Ben, j'ai pas assez d'estime. Pas ici en tout cas. Alors, en fait, je n'ai pas encore ma propre chaîne. Enfin, je stream ici pour Total War Coliseum, mais. Le projet d'ouvrir ma chaîne, on va dire que c'est en cours. D'ici un an, ce sera fait. On se répand des rumeurs. Là. Bien, fait tour, voilà. Alors, on a débloqué quoi? Bien, yeah, donc on va pouvoir... Ah, pas encore.
Pas assez de pierres. Bah, on aura de la roche au prochain tour, donc c'est parfait. Alors, ici. Nourriture. Alors, c'est quoi? Revenu pendant la crise, pendant... Ça va augmenter. Allez, on va... J'ai besoin de pierres, donc on va faire... une technologie pour la roche, pour la Rightful pierre. Of Egypt. On est à quelle saison là? La saison des inondations. Ah. Donne accès aux élites. Quoi si je deviens commandant en chef? On a des unités. Et si on essaye. Alors, on essaye. Chantage. On a quand même. Oui. On va bien voir ce que ça va donner. On va essayer de comploter pour devenir chef des armées. Amon Mas. Gold can buy the very best. Ah ben. Ah, parfait. C'est... Nous avons des... Magnifique, qu'on a des lanciers comme ça. Alors, c'est parti. Alors, intrigue de cour, prime à l'inaction. Dans un palais de beaux parleurs, celui qui possède la langue, la nuit pendue, ose s'approcher le plus près pour s'extirper, pour extirper ce qu'il désire. Vous le laissez approcher afin que personne d'autre ne puisse vous entendre vos rumeurs. Échangez votre... On a plus d'or, mais on va perdre l'action de cour, ou alors on refuse. Non, c'est pas en vue. De l'or, on en a. Be welcome in the court of Meneptah, beloved of the gods. Donc ça suit son cours. Endlessly wealthy. Ah, alors. Aldeschamp peut fournir les garnisons suivantes. Non. Alors, c'est quoi? Rassemblement d'autochtones. Ça peut me permettre de faire quoi comme... Ça va... Éculant ses couchettes. Archi-couchettes. Alors d'un côté on me propose quoi? D'un côté on me propose le bureau de recrutement. On va perdre en production, mais bon tant pis. Mais ça nous fera. Allez, c'est parti. Ever wise. Your rewards will be great. Ouais. My soldiers will be well rewarded. Bon, les ressources on en a. La cour, ça se présente. I am the soul of Ra. Alors, divinité locale. Ah. Alors, notre divinité. Ici, on sait choisir la divinité qu'on veut suivre. Donc nous, on suit Amon. Ça augmente l'attaque amenée, l'XP des batailles, l'expériment parcours et plus d'influence. Mais on a qui d'autre? Non, ça c'est les unités. On a Horus qui nous permettrait d'avoir une immunité contre l'usure, les déplacements en plus contre la, en mer et sur terre, bonus de charge, donc c'est vraiment plus militaire.
On a Anubis qui diminue le moral ennemi, qui diminue la fatigue. Ouais, morale, main-d'œuvre. Isis, plus pour. Oui. Moi, oui. Ah, on peut pas. Je crois qu'on va rester sur Amon. Ah, on sait pas faire mieux. Golden Prince. Alors, on n'a pas de nouveau. Non. Bouclier ordinaire. Non. Non. Bon, ben, on recrute encore des troupes. Royal puis on repart Prince. À la guerre. Donc, on va essayer d'améliorer un peu mieux notre armée. Et on va repartir. Retourner de l'avant. Alors. On a recruté. Parfait. On a notre bâtiment qui sont en cours de construction. On va attendre qu'ils se finissent pour voir ce qu'on va débloquer comme unité. On sait pas. Alors, au niveau des avant-postes, qu'est-ce qu'on pourrait construire ici? Donc ici, on a déjà... Ah! Alors, ça permet des résistances au siège, ouais. On va faire un petit fort. Petit fort égyptien, surtout que... On est vraiment à l'entrée du royaume ennemi. Non, ça c'est les divinités. Alors, au niveau de la diplomatie, qu'est-ce que... Proud son of Egypt. I always look forward to our meetings. Qu'est-ce que tu je pourrais te prendre? De la nourriture, j'en aurai bientôt plus. Merci, John. Oh si. Ouais, de la nourriture. Donne-moi de la nourriture. Du bronze. We will achieve great things. Magnifique. Voilà, comme ça on aura de la nourriture. Alors, au niveau des constructions, qu'est-ce qui va se finir ici? Ici on n'a rien de lancé. Non. Alors ici on a quoi? On a oui, le bureau de recrutement qui sera bientôt terminé. L'avant-poste est en construction, bon, on va finir le tour, voilà. Qui m'attend? Qui es-tu? Encore toi? Ah! Ils sont au sud, donc on est... Aïe aïe aïe, on a le nord et le... Attention, on a deux fronts maintenant. Un front nord, un front sud. Va falloir faire attention, peut-être créer une deuxième armée. A voir. Beware my rock. Et alors ils sont... Worldly warrior. Chasseur, archer, non. Ah, les sprinteurs couchés, magnifique. On va en faire 4. Ouais, ouais, on va avoir une bonne armée comme ça. Donc, des lanciers en plus. Je pense que je vais... Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer ici? Avoir plus de bois? Oui. Est-ce qu'on a assez de pierres pour le faire? Magnifique. Bon, on a perdu de la main-d'oeuvre, on refera de la main-d'oeuvre, mais au moins on aura du bois. Et je vais recruter un nouveau général... Pour pouvoir défendre, donc on a Genepchu, Pinouni et Webaka. Alors lui il est plutôt équilibré, les deux autres pas. On va prendre celui qui est équilibré. The might of Nubia. The battlefield calls. Yeah. Alors action de cours disponible. Be welcome in the court of Menepta, beloved of the gods. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Ben non, ça va me coûter de l'or. J'ai combien de légitimité? 34. Ah, c'est celui qui en a le moins.
Trésorier en a plus, si je voulais voler la légitimité. Bah voilà, c'est un deuxième couple. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il veut quoi lui? De la pierre? Non. Surtout que de la roche, j'en ai pas. Hein. À la limite, je veux bien. Alors, donne-moi de, du blé et donne-moi de l'or. Ah ouais, il va falloir rééchanger, on a perdu nos échanges. Alors, notre armée est quasi full. On va attaquer au sud. Golden Prince. Death awaits you. Ever wise. Ah, une bataille de siège. Qu'est-ce qu'on peut sap, c'est franchir un rempart, il faut surmonter les défenses. Tour de siège, allez. Un bélier et. Allez, deux tours de siège. Deux tours de siège. Un bélier et. Voilà. They can starve a while longer. Alors, qu'est-ce qu'on sait construire au niveau des avant-postes? Plus d'affluents. Ouh là là, la nourriture, va falloir faire attention. Warrior, de l'or, je t'offre de l'or, contre du bronze et non, je ne joue pas à FC 24, je ne l'ai pas encore. Ben, ouais, j'entends du bien et du moins bien, on va dire. Amélioration de colonie disponible. Ah, il ne porte pas d'équipement, lui. Ah ben, l'armure ordinaire, bouclier et... Ah, il n'a pas d'arme, il va se battre à main nue. Time to strike. Curiosity killed the wildebeest. Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien améliorer ici? Non. Et là? Non, c'est la même ville. Pas sur cette chaîne. Bah, pas du tout en fait, parce qu'en fait ici ce n'est que du Total War. Ah, ils sont trop nombreux, hein. Et la map est comment? Non. On va piller. Je vais piller. Je vais le faire sortir de. Je vais le faire sortir pour mieux l'attaquer. Vive les suivants d'Horus. Héritage antique, pouvoir de la couronne. Bien.
Royal prince. More gold can't hurt. Ah, héritage antique. Alors, sélectionné pour... alors, on a Toutmosis le conquérant, Hatshepsut la marchande, Akhenaton l'hérétique ou Khéops le bâtisseur. Donc, lui, c'est... plus qu'au niveau de la construction. Lui, c'est sûrement niveau religieux, ouais. On a la marchande, c'est... oui. Et nous, on est quand même beaucoup plus militaire, hein. Donc, je pense que je vais prendre... on va continuer avec Toutmosis. Alors, quelle ville on peut choisir? Kawa, il n'y a rien quoi comme ville par ici. Ah ben voilà. Bien. On va essayer de conquérir, c'est quoi? Action de conquête, d'attaquer les patrouilles. Cadeau des seigneurs locaux, donc ça coûte 100 d'or, mais j'aurai des unités en plus, hein, pas mal ça. Engager un champion. Ah, non, ah, trop tard, c'est pas grave. Ah, c'est qui ça? C'est des archers hauts, archers lourds de renom. 330 de portée, très bon dégâts de tir. Ils sont dans mon armée, ceux-là, alors. Not another step. Ouais, ce sont... Hey, trick de cours, changez... votre... My wealth will turn their heads. Bon. Alors, on a... Ah oui, plus de pierres, de... Affinité avec la forêt, la vie d'un soldat. Hop, comme ça on aura plus d'expérience. Firstborn son. Moving on. Stay out of sight. On va se mettre en mode embuscade en espérant qu'il sorte. S'il sort, on pourra lui faire une belle embuscade. Alors au niveau de la trique de la cour, non, ça c'est divinité locale. Faut le temps que je me retrouve dans les boutons. Pouvoir de la couronne. Elle est où la cour? Shemsuhor begins. Let us see which way the wind blows. Ah, ça a été dit. Ah, j'ai réussi à discréditer, mais le chantage a raté. Justice. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire? Ben... Let us make history. Let us band together. Voilà. Alors. On a quoi comme avant-poste qu'on peut construire? Religieux, économique, non. En fait, il n'y a que le religieux qui est ouvert et on aura bien. Non, on va rien faire. On va finir le tour. Alors, est-ce qu'on a réussi ou pas? Bataille, clairsemé, équilibre de force. Ouais. Ah ouais, ça semblerait... Ouf. Bon, il n'y a pas trop fort chez lui. Si, il leur offre... Oh là là, mais... Énormément trop fort, dis donc. La tirer là et mettre des unités ici pour le prendre à refaire ou reculer. Ah. Bon, on va faire comme l'autre, on va essayer en deux fois. Hein.
Alors, comment... Alors, si on voit la map. On peut essayer en... Alors... Peut-être ici, choper la charge, faire le tour et revenir par derrière. Allez. Bon, on va essayer ça. On verra bien. Ouais. Tant qu'il me transforme pas à moi, cappuccino. They cannot hope to match our skill. Fighters of Nubia. Bon, avec eux, on va essayer de prendre plutôt la charge. On va... Et alors, je vais envoyer mes... Ouais. Je vais envoyer mes... Ces troupes-là, cachées, faire le tour, essayer de surprendre. Alors, eux, ils vont aller un peu plus haut. On va essayer de... avoir le bonus de charge. Et alors le général va accompagner son armée. Et alors eux ils ont beaucoup de portée, donc on va les mettre là. Et eux deux, Jésus. Oh, j'ai... Oh là là, regarde. Ah, oh, cette armée. Oh, cette armée qui avance en face de moi. Recrues nubiennes, des recrues nubiennes. Archer nubien, et nous on a quoi? Ah, il m'a vu, hein? Oh, regardez-moi cette portée! Mais... Pas grave, faut avancer, faut avancer. Faut le choper par l'arrière. Pêchez-vous. Strike hard. Arrows ready. Loose arrows. Aim for their hearts. For glory. Fighters of Nubia. Mighty dozens away. Pushing on, meet your end. Oh, ces archers. Ces archers, il faut plaisir. Archers, shoot. Release. Release. Tear them apart. For glory. On the move. On watch. Nubian marksmen. Fight hard.
their hearts. Throw. For glory. Loose arrows. Ouh là 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 là, cette bataille va être terrible. Alors continue de balancer les javelots. Ouais. Ouh ça fait. Waouh. Alors. Ah oui, les porte-étendards, je voulais les revoir. Par contre. Ouh là, mon général, non. Non, pas mon général. Fighters of Nubia! Power and pride! Get out of there! Oh mon général! Aïe aïe aïe! Archers, shoot! Fight as one! Javelins, now! J'ai besoin de vous, vite! J'ai besoin de vous, vite, 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 vite! The might of Nubia! Archers, shoot! Marching! Power and pride! Marching! To victory! Onwards! Ça nous complique, hein, celle-ci. Kushites never miss. On va essayer de. Ouh oui. Allez, brûle la végétation, ce serait bien. Fight with honor. Aim for their hearts. Aïe aïe aïe, ça s'annonce mal, hein. Nubia. Là, on charge. On continue. Kushites never miss. Archers, shoot! To battle! We will succeed! Never falter! Retreat! How can I fight with this? Tear them apart! Oh là là, quelle horrible bataille! Monsieur, il est tard, oui! Il est tard pour vous! Votre fourmi! To battle! C'est une défaite encore, hein. Ouais, il lui reste mille... Il avait déployé 1000 soldats de... Ben oui, 1000 soldats de plus que moi. Logique, vu qu'il avait une armée en plus. Oh, ça fait mal, ça. Et surtout que j'ai perdu mon général. Les doigts effilent dans ta chambre, tout à fait. Miskin.
Mais non, évidemment, tu es la bienvenue quand tu veux. Ça fait plaisir de vous avoir sur la chaîne. J'espère que vous appréciez le gameplay. Aïe. The gods reward determination. Ouais non, je vais devoir la recharger. Parce que il va me poursuivre et il va m'anéantir complètement. Et j'ai pas envie qu'il m'anéantisse. Yeah. Ça va vite pour recharger donc. J'arrive, je vais me chercher à boire. J'arrive de suite. Rebonsoir, ami du soir, bonsoir. Alors, si je me retire. Fall back for now. Ouais. Aïe, 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 il y a quand même. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Elle est comment la map? Mais bon, gagner, ça va être compliqué. Bon. Si je... Oh, je perds toute mon armée. Bon, ben, on va la jouer. Hein. Le problème, c'est qu'avec 1000 hommes de plus, dans Rome, j'aurais gagné. Mais ici, pas. On peut essayer de mettre le feu à la forêt. La tirer dans la forêt. Monsieur, c'est trop dur à comprendre le jeu. Oui, en fait, c'est. Il est difficile à comprendre le jeu quand on connaît pas les Total War. Mais quand il suffit d'y jouer et. Les mécaniques viennent. Maintenant, il est tout nouveau le jeu. Hein, donc, même moi, il faut que je comprenne les mécaniques. Hein. Évidemment, c'est pas FIFA. Hein. Time to burn. Oui, on va brûler tout. Brûlons la forêt. Ah, si j'y arrive. À mon signal. Déchaîne les enfers. Ah, une tempête de sable. Flûte. Où est la forêt? Oh, c'est pas une forêt. C'est encore mieux qu'une forêt. Ça brûle. Ça brûle. Ça va brûler. Oh oui. Ah, flûte. Oh, je sais pas me mettre là. C'est dommage. Ouais, vous voyez, on va la tirer ici, on va et on va tout brûler. Bon. Oh oui, tout ça, ça va brûler. Oui, en fait, on va faire comme les Russes. Je suis un soviétique, je vais faire la terre brûler. On va essayer. Alors, si j'arrive à faire prendre tout ça. Oula.
ça va. Oh là là. Oh, j'espère que ça va être beau. Eux, si j'arrive à les brûler. Dis, tu veux bien descendre, toi, mon ami? Allez, descends. Descends, mon chat. Allez! Merci. Surtout qu'il y a beaucoup de vent, donc ça va bien se propager. Oui, oui, je sais, t'en fais pas, t'en fais. C'est 50 ou 60? Ah 50, ça va, ben vous trouvez pas, je vais pas. Bon, je vais pas tarder à couper. Je teste juste la puissance et du feu, bien entendu. Marching to victory. Marching. Faudrait vrai. Alors on va accélérer. Oh oui. Oh oui. Sans la puissance. Oh oui. On la sent bien. Et je vais le surprendre. Allez, viens. Allez, viens, viens, viens. Viens ici dans cette. Tu vas connaître mes. Ah, à partir du 50 tours, c'est 80 tours. D'accord. Ah, va falloir. Ouais, ben oui, ça, c'est à cause. Va falloir que je diminue peut-être légèrement mes graphismes. Kyuki est super mitigé avec son total war entre le retour d'anciennes mécaniques et les nouvelles, il donne envie, mais de l'autre côté, super limitant en termes de culture, pas d'Assyria, pas de Babylone, un saga qui ne porte pas son nom. Maintenant, il y aura des DLC, et peut-être que les DLC vont apporter cela. Nous allons bien voir, comme je vous dis toujours, wait and see. Les feux. Ah, un petit promontoire. Allez, hop. Et salut à toi. Ah, c'est parti. Ah. Alors, est-ce que ça prend feu? Non, pas encore. With honors, fighters of Nubia, they are suffering. Fighters won for glory. Immediately, with haste, fight with honor. Dead air, fight hard. Cut through them to battle. Into position! Into position! Pushing on! Fight hard! You are the snakes of Nubia! Bon, le feu! Où est le feu? Je veux du feu, moi! Oui, d'accord, je fais tout. On va un peu diminuer les textures. Je
diminuer un peu les graphismes parce que j'ai pas envie que mon ordinateur implose. Hein. Fear us. We will triumph. On the move. Power and pride. Marching. To victory. Together, brothers. Le feu! Le feu! The might of Nubia. Le feu! Fighters of Nubia. Onward. Le feu! Fight with honor. Bring them down. Send their barrage. Onwards. To victory. Alors ça prend feu? Non. J'ai tué l'un des généraux. Génial ça. Allez, on continue. Celle-ci, elle va être gagnée, celle-ci. Grâce à la puissance du feu. Oh, oh là là, regardez. Alors regardez ça. On m'avait posé la question. Je crois que c'était Virio qui m'avait posé la question. Est-ce qu'il y a un effet malus de morale quand tu as des généraux? Ben regardez, il y a tout qui commence à partir chez lui. Oh magnifique. Oh ce Ox, c'est beau. C'est... Oh là là, ça c'est magnifique. Oh, 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 c'est la débandade, c'est magnifique, c'est sublime, c'est sublime. Break their necks. Oh, c'est la déroute chez lui. Oh, que c'est beau, oh, que c'est beau. Je. For glory. On the move. They run from us. Ah, la tempête est finie. Où vas-tu? Reviens par ici. Ah bah attendez. On the move. We will triumph. Onwards. Oh bah le malus de morale a été extraordinaire ici. Alors là. J'aurais juste voulu que le feu se propage pour voir. Mais bon. Osez. Tenez la ligne, Spartiate. Bon, on n'est pas des Spartiates, mais tenez la ligne. Billy. Into position. Marching. Cut through them. Fighters of Nubia. Make it happen. Slay them. Marching. The might of Nubia. Battle! Pushing on! Oh! Ça prend feu! Ça prend feu! Tout content d'avoir mis feu à un arbre. Regardez-moi ça! Et ils vont passer dedans! Allez, ça peut se propager! Allez, 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 allez.
Au moins ça prend feu. The might of Nubia. Meet your end. Fear. On the move. God save us. To God save us. Fight with honor. Bon, on va pas aller dans le feu, hein. Ça prend feu! Ça prend feu! Magnifique! Fighters of Nubia! Aim for their hearts! To battle! Tear them apart! Release! To victory! Regardez-moi ces flèches enflammées! Où sont mes... Ah. Release. To victory. On watch. Allez, des petites flèches dans le dos. Ah bah oui, ça se propage, hein, regardez. C'est une victoire. Ah, j'ai réussi. Oh, ce serait bien d'essayer de le tuer, le général. Et on va tuer le deux. Il reste plus que lui. En fait, j'essaie de tuer le général. Mais il est mort. Victoire héroïque. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est magnifique. La puissance du feu. J'ai réussi ma bataille. Ah, je suis content, là. Bon, il doit... Il lui reste 1800 soldats, mais il m'en reste 1500. Là, on... Et là, on peut... Là, on pourra négocier. We are the champion. La puissance d'Amenes. Face à... Il m'a tué. Ah oui, il m'a tué, ouais. Il devrait se renommer. Celui que je viens de battre. Et j'ai pas pris beaucoup de pertes en plus. Influence grows. Ouais, j'ai pris un point de compétence. Ah bah oui, j'ai remporté... Ah, j'ai de la nourriture en plus, du bronze. Magnifique, merveilleux. Je dirais même plus sublime. Est-ce que je peux... Alors, il a pas... Non, il a toujours les mêmes armes. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui améliorer? Si je lui change son titre, c'est quoi ça? Unité couchette, force environ. On va bien voir. Nubia is mine, always. They will not hold out. Ouais, bon, l'armée de garnis. On va. Deux tours et. Une sape, allez. We will easily outlast them. Euh,
Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On n'a pas beaucoup de bonheur. Allez, un petit peu de bonheur, ça fera pas du tort. Taste my golden blade. Ah, je pensais que... Voilà. Without mercy. Non, regarde-moi au nord. Bon, est-ce que je finis avec cette bataille ou pas? Elle est comment la map? Si je peux remettre le feu, je le fais. On va savoir. Ouais, non. Fall back for now. Aïe aïe, oh, 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 ça, ça va faire mal ça. On va reculer. Rightful heir of ouais. Egypt. Moving on. Death awaits you. The might of Nubia. On va aller... Ouais. The might of Nubia. Beware my wrath. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oh. Et où la cour? Ah. La légitimité diminue. Bids you welcome. Here you serve at my behest. Ouais. You are mixing with the right people now, Fred. Avant un poste religieux. Ah, c'est quoi ça? La paix est un équilibre délicat. Mais lorsque deux frères se dressent l'un contre l'autre, la vertu est abandonnée. Et le sang coule. Inévitablement. Aïe aïe aïe. Ça va faire un paquet de morts tout ça. Ah mais que se passe-t-il? Ah mais que se passe-t-il? Ah mais qu'est-ce qui se passe? La guerre! Les peuples de la mer... Tu... Alors lui il me déclare la guerre alors que c'est Hittet? Bah vas-y, mais t'es, t'es trop loin. Ah il y a une guerre civile à Ti. Aïe aïe aïe. Alors, remporter 4 batailles, maintenez 8 unités de type suivant. De quel type?
Assurez-vous que les factions suivantes sont détruites ou confédérées. Karma. Allez. Amon Mess, Golden Horde. Razan. C'est quoi ça? Ah d'accord, ça, général. March ahead. Ah bah oui, c'est un avant-poste, donc je sais laisser des unités. Fortune ahead. Oh bon, je vais laisser. Alors, toi? Toi que je te laisse, pour aller chez le rock. Royal Prince. Alors, au niveau de l'arbre des décrets royaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Du bois, de la nourriture? Ouais. Parce qu'on a un peu en rate de bouffe. Oui, ça fait tard. Je ne vais pas tarder à couper non plus. I stand ready. Ah, flûte. Amon Mess. Alors, on a combien? 1, 2, 3, 4. Ça va enflammer les flèches? Ah, non, attendez. Mon Dieu, si ça va enflammer les flèches. Ah oui, obscurcissez et cacher pour tenir position, évidemment. Oui. Non, pas toi. Awaiting the soldiers of fortune. Alors, au niveau des bâtiments, je ne sais rien faire. Toute bosser, c'est... Action quoi? Vous avez obtenu le soutien des autochtones. Passez le curseur pour découvrir les bonus. Ah, des unités trop fortes au combat. Parfait. Et on les trouve où ceux-là? C'est des... Ah bah j'aimerais bien vous engager, mais comment on fait? Bon. C'est pas grave. For justice. Be my brothers in arms. A fine selection of warriors. Bon, bah à mon avis, je fais encore sourcer puis je coupe. Alors, je coupe le jeu. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce live. En tout cas, j'ai très bien apprécié le gameplay de notre ami Amnesmes, j'arriverai à dire son nom. Driven by injustice. Time to strike. Get marching. On va piller. On va piller. Golden Prince. Moving on. Viceroy of Kush. Ah ha ha ha. Victor, ouais, mais on va. They can starve while long. Bon là je joue un jeu dangereux hein. Mais je vais couper ici, je vais sauvegarder ici. Alors Amnemes, voilà, c'est sauvegardé. Je vais basculer sur l'écran de fin. Voilà. Ah ben voilà en tout